Salut à tous et à toutes, ici Shakeler et on se retrouve pour la suite de Terraria en compagnie de Kawet. Salut tout le monde, comment ça va bien? Oups, désolé, pas fait exprès. On est parti, j'ai fait exprès. Ouais. Maintenant que t'as vu le commentaire, il arrête pas de le faire. Ouais, c'est rigolo. Puis bon, il y avait des lapins en bas, donc bah... Enfin bref. Voilà. Donc, dans les épisodes précédents, on a tué Cthulhu, on a tué une Goblin Army, il y a une météorite qui est tombée, on s'est balayé dans la corruption, on a fait un carnage, on a été dans la jungle, on a... On a failli se faire pounette par contre dans la jungle, hein. C'était à ses limites. Ça en fait beaucoup quand même qu'on a fait en quelques secondes. Ouais. On tente de trouver la météorite? Et donc ouais, bah aujourd'hui on va aller... Hop, chacun d'un côté ou... T'as aussi t'as un miroir magique maintenant. Bah oui, j'en ai trouvé deux. Oui, bah chacun d'un côté et puis okay. Le premier qui trouve, l'autre il se téléporte. Et puis on va jusqu'au bout de la map pour voir de quel côté est le donjon. Yep. Ah. Moi avec ma chance, tout va être de ton côté. Ouais, il dit ça. Hein. Ah, c'est toujours comme ça, rappelle-toi avant déjà. Aïe. T'as, en plus j'ai choisi le chemin le plus abrupt, il y a des cavernes de tous les côtés. Moi j'aime bien parce que j'ai mon mousquet, d'ailleurs démonique musket, j'avais jamais calé ça, ça change ou quoi? Plus 13% de... Oh la vache, 26 de dégâts il fait mon mousquet. Ça va. Avec 9% de chance de critique à mon avis. Et après c'est moi le cocu. Il va faire mal celui-là, il va faire trop mal. Et après c'est moi le cocu hein. Ouais. Des fois on se demande. Tu te fais cocu avec toi-même? J'essaye. Ah, t'essayes? Je fais, mais... J'y arrive. Hop. Tu m'as bien aménagé le chemin par ici, en fait. je sais pas, je me souviens même pas avoir été là, si j'avais été là un petit peu. Bah si, tu t'es déjà fait tuer plus d'une fois par ici. Ouais. Par les zombies et compagnie dans le petit trou. Ouais. Ah, mais t'as posé plein de plateformes de tous les côtés, ça me fait plein de chemin. Moi, par contre, c'est... Ouais, y a des torches à tout casser, mais c'est tout, quoi. Ah ben là, je vais bientôt arriver dans une zone où t'as plus rien mis. Ouh là, ma voix elle est partie en couille. Ouais non mais t'inquiète, la même aussi. C'est l'hiver, on chope la crève, normal quoi. Je peux pas sortir moi. C'est ça de pas supporter le froid. D'un autre côté, sortir c'est pour les faibles. Ah mais c'est pas cool, je me fais chier moi chez moi. Pff, allez, t'as un PC, t'as une Wii. Et t'as une PS3, là, ouais. Et j'ai une 3DS, et j'ai une PSP, oui, et j'ai... Putain, internet, merde, on peut pas se faire chier quand on a internet. Si, oh, j'ai trouvé un coffre. Bah, vas-y, embarque. Y'a quoi dedans? Des flying knives, des shurikens. Voilà. Oh non, de l'argent. Boing, aïe. Des barres de iron et des night owl potions. Super, je récupère le coffre. Oh, c'est rare ça. Bah oui, on récupère le coffre au passage. Ça fera moins de ouais, puis comme ça, on se fera moins de. Si j'avais été loin, mon fou. On se fera moins de frayeur, tu sais, à chaque fois qu'on trouve un coffre. Oh putain, un coffre jamais ouvert. Ouais. Ah, y'a rien dedans. Ah merde. C'est quoi ce vol? Oh putain, comment je passe ça? Hop là. Bon, moi j'arrive dans la corruption, ça va être drôle. Moi j'arrive dans le désert. Ah, et puis je me pète les genoux. Moi, je me bats des vautours. Et si? Je vais éviter d'aller dans les chasses. C'est quoi ça? Quoi donc? Ah, une sorte de mandibule qui sort de oui, terre. Un antilion, je m'en suis tapé un. Oh la vache, moi il est trop mal mis. Il était en plein dans une pente le machin. Je prends trop cher. Je vois ça. Bah moi aussi je prends pas mal cher. Franchement limite. Un purple slime, mais il est énorme. Bah c'est un purple slime. Il était énorme. Je claque une popo hein, parce que sinon. Moi ça va, je me tape des slimes. Ah non, je suis pas mort. Qu'est-ce qui se passe? J'aime mon grappin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait pousser deux ou trois fois dans un. Tu sais, dans les chasmes, là, les gros trous de la corruption. Trous de la corruption? Trois fois, je crois, deux ou trois fois. Oh là là. J'explore en même temps les petites grottes, c'est pour voir s'il n'y a pas un coffre. Ouais, parce qu'en général, il y a toujours un petit coffre dans les petits trucs comme ça. Ah bah là, il n'y a que dalle.
Quand je dis ça, y a rien comme par hasard. C'est ballot. Putain, mais elle est longue cette corruption. Ok, je crois que je suis dans la corruption. Ah non, j'ai trouvé la météorite. Super, donc depuis tout à l'heure, je me balade dans le vent. Non, bah hop. Bah commence à miner, hein, le temps que j'arrive, tu devrais avoir fini. Oh, les météorites, elles sont plus lentes que qu'avant. Hein. Elles sont lentes et pas solides, mais elles font des dégâts monstres. Elles te mettent du 60 dans la gueule, je crois. Ou 40. Elles ont du knockback? Oh, pff, non, elles en ont pas. Ah, mais elles spawnent de tous les... Non, elles font que du 30. Enfin, avec mon armure. Ah ouais, t'es avec ton armure, la jungle armor. Voilà. Aïe! Boing, boing. J'ai déjà mal au doigt à force de sauter, c'est pas possible. Je suis en train de démonter des météorites. À coup d'épée. Ne faites pas ça chez vous. D'un autre côté, pour avoir des météorites à coup de... et une épée chez soi. Mon épée encore se faisait, mais météorite. Chaud. Hop. Ouais, je suis plus que 2400 mètres. Ça va encore? Ah ouais, mais toi t'as eu les Hermès Boots, donc bah pour toi ça. Toi ça passait assez vite, mais moi là. Putain, y'a 5 météorites sur la map, 3 qui arrivent à droite, 2 qui arrivent à gauche. 1, c'est cool, des fois 2, t'en as 8, 3, 9. 4, wouhou, wouhou, wouhou. T'as l'air de bien t'amuser. Ouais, elles me touchent pas, elles sont trop lentes. Et oui, puis avec mon épée, je les bute en 2 coups, à peu près. Pareil que je pourrais les exploser à la pickaxe. C'est rien qu'en minant comme ça. Ouais, je les ai explosés à la pickaxe tout à l'heure, mais comme là ils arrivent des deux côtés, je pouvais pas trop. Ouais, c'est sûr. Jules. Normal, la pipe. Je les dégomme à la pickaxe en la golden pick, mais bon, il y a beaucoup de. Il y en a. Comme ils arrivent des deux côtés, ça me fait bien chier. En fait, c'est du Guitar Hero, faut que j'enchaîne la gauche et la droite, c'est un tempo. Boing, boing, boing. En tout cas, j'imagine. Ouais, plus que 1600 mètres, dépêche-toi là, quoi. Mais arrêtez de venir de tous les côtés, venez que d'un seul. Hop, il y a le drop des météorites. Bah bien sûr, c'est rare, c'est je crois à 20% de chance. Mais... Tu parles, j'en drop une à chaque fois. Oui. Ça me donne même pas envie de péter la météorite en fait. Ouais, mais c'est peut-être un petit peu quand même important. Surtout que moi, il va m'en falloir de la météorite. Ouais, mais juste en butant des météorites, on drop de la météorite, alors. Au pire, on se fait un truc artificiel, tu sais, avec 50 blocs de météorites, on peut faire spawner des météorites. Ah, c'est 50? 50, ouais. Ah donc non, j'en drop pas à tous les coups, en fait. On en met 49 à un endroit, on en garde un dans un coffre, et puis on le place quand on a envie de faire spawner des météorites. Ah! Ah, dégagez, c'est le prix de vautour. On me mange pas. C'est pas bon du cacahuète. Ouais, je suis une cacahuète non comestible. Ah. Ça brûle. Hop, dégagez, calme. Ouais. Je suis bientôt arrivé. Moi j'enchaîne les météorites là. Elles s'en prennent plein la tête. Ah, loin, c'était toi. Mauvais, mais j'adore. T'as été chercher ça très loin. Non, pas trop. Près d'une météorite. Tu me diras, ça doit être assez loin. Moi, bon, j'ai ah un oui, peu miné. C'est pas un petit cratère, hein. C'est. Vache. T'es en train de te cramer la gueule, tu sais, là. J'ai remarqué. Vas-y, je te protège un peu. Parce que vu ce qu'il y a derrière, couvre ton avant, je couvre tes fesses. Pulse. Ouais, c'est facile. Hein. Aïe! Pulse. En plus, elle drop des présentes, c'est pas cool. Oui, non, ça, par contre, c'est pas. Faut vite miner. Vite, vite. Avant qu'on se fasse envahir par les cadeaux. Aïe! Et t'avais pas des bombes? Si. Peut-être un peu plus facile de taper. Bah, faudrait que tu me couvres un instant. Bah, je peux te couvrir plus qu'un instant. Ouais.
Attends, je prépare. Du coup, je m'occupe de ce cas-là. Je crois qu'il faut attendre. Faut ramasser avant. Oui, non, faut ramasser avant parce que je me suis fait avoir d'une météorite entière à l'avoir explosé à coup de dynamite sans ramasser. Il me restait quasiment rien dedans. Boum, la météorite. Non. Eh ben non. Non, les bombes elles font quasiment plus de dégâts au niveau des briques. C'est un truc de taré. Non, mais ce que j'avais peur, c'est qu'en fait j'avais jeté une deuxième bombe. Ouais, c'est encore, c'est pas grave, tu peux en jeter plusieurs. Non, mais j'avais peur que ça me pète mon truc en fait. Je pense que moi je ferais bien. Lol. C'est une plateforme pour qu'on puisse. Ça les pète vraiment les météorites et la bombe? Hein? Je sais pas si les sticky bombs ça fait péter les météorites. Bah si, t'as pas vu tout ce qui traîne par terre. Non mais je veux dire péter les restes de météorites. Oh, ça bah je sais pas. Je suis pas sûr. Merci. Tiens, voilà. Comme ça, tu peux aller tout faire sauter. Tiens, tu peux tenter de miner le bout là? Il me fait chier. Celui-là? Ouais. Peut-être qu'on va se mettre en mode défense. Non, c'est bon. Oh la vache! Tu vois, elles ont explosé avec la bombe. Bah, attends, bah on va faire un test. Voir si les restes là-bas ils pètent. Ah, je peux vous tirer dessus! Je crois pas que ça pète, t'as vu? Réessaye encore un coup. Faut croire que c'est la météo, c'est la dynamite alors. Vas-y, fais-toi plaisir, hein. Fais tout péter. Ha! Attends. Hop là. Hop là. Attention devant toi. Ah, aïe. Ah, y'en a une qui te focus. Hop, voilà. J'avais même pas vu. Quand ça brille, hein, ça se voit. Non, mais je sais pas, moi j'ai des bombes, tu sais. Enfin, là j'évite d'en jeter parce que les petits bouts qu'il y a par terre, il faut que je me rapproche un peu, je suis un peu loin. Je vais chercher jusqu'au dernier morceau. Rien à battre. T'as raison. Ah, ça pique, voilà. Hop. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ça brûle. Mais non, c'est ton imagination. Attention. Attends, je te... Ah vas-y, je te couvre. Non bah remonte. Voilà. Tu fais quoi là? Ça. Bah je m'enferme en dessous pour pouvoir pour que t'aies pas à sauter à 24 et te casser la gueule. Ouais. Merde. Oh, magnifique lancer de grenade inventé. Normal. En fait, j'ai voulu lâcher le grappin, mais j'ai fait clic gauche, du coup j'ai jeté une bombe là où j'avais le grappin. J'ai vu ça. Attention derrière. Voilà. Attends, je tente le lancer de la mort. Oh, magnifique. Par contre, il va me falloir une toute petite plateforme, du coup, si tu voulais péter les deux petits bouts qui sont au-dessus de ta tête là. Merci, nickel. Aïe! Ouais, moi je m'occupe de miner le bas, et puis toi tu ramasses. Ça peut te faire gaffe des fois. Désolé, j'étais dans mon inventaire, je peux pas tout faire en même temps. Bah si, moi regarde, je fais ce que je. Ah, mais j'étais en train de jeter des présentes. C'est ça après. Non, je suis full. Ok. Je suis là avant toi, je te rappelle. Ouais, c'est sûr. Ah là là, hop, je mets un petit peu de torche. Hein. Yeah. Il y en a plus de 50 là. Ouais, c'est vrai que. Elle n'a pas 50, arrêtez de nous harceler. Ah, là, c'est bon, la musique elle a changé. J'adore ce jeu. Dès que la musique change, c'est bon. Fait jour, fait nuit. Ah, pourquoi non, mais ça, c'est ça encore. La musique c'est important. Ah, c'est très important. Si vous jouez sans son, mais vous perdez beaucoup.
Vous pouvez après, hein, mais... Vous perdez beaucoup. Parce que déjà, quand on regarde, le jour dure, alors le jour, des fois, il dure. Enfin, des fois, toujours. Il dure même quand les étoiles sont là, que le soleil s'est barré à droite et tout. C'est encore le jour. Donc, pour appeler un boss ou une connerie comme ça, bah, c'est pratique d'avoir la musique pour être sûr de savoir si on peut ou pas. Parce que je vous rappelle que si vous appelez un boss pas au bon moment de la journée ou autre, vous ça mourrez instantanément. Non, ça fait foutrement rien, je vais essayer. Ah non, ça fait foutrement rien. Parce qu'avant c'était mourir, non? Ouais, avant. Mais maintenant c'est juste que bah. On clique et puis ça fait fichtrement rien. Bon, voilà. Hop là. Pourquoi je peux pas casser? Ah, je suis con, il y a un arbre dessus. Bah oui. Bon, moi je suis en train de. Boucher tout ça, parce que bon, pour se balader plus tard dans l'endroit, ça va pas être top si... Oh là là, mais... J'ai pile 99 de météorites, c'est rigolo. Moi j'en ai plus. Merde. Oh, oh, wow, wow, calme, Fraps, tranquille. Reste calme, Fraps. Trickshot, merde. tu prends pas les derniers morceaux en bas là? Aïe, 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 caramba. Il fait bon quand fait faux. En parlant de chaud, je vais me prendre un petit coup de chocolat. Aïe. Ah, je suis fou. Dit-il en minant de météorite. Aïe. Hop. T'as combien de météorites toi? 111 exactement. Ça fait ça des va. Petits bâtons, c'est rigolo. Moi j'en ai 252. Merde. Combien je lui rajoute des bras aux armes. Hop. Attends, je mets de la terre. Oh. Voilà. Quoi? Non, rien. Donc, merci à vous. Voilà. On va voir à gauche s'il y a le donjon ou autre. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Parce que moi, j'ai pas vu grand chose. Bon, c'est une map large, donc bon, bah. Ça va être large. T'as vu, il y a un pot en dessous. The fuck. Voilà. Qui a été foutre un pot là-haut? Wouhou, reverse. Il était beau, mon reverse, non? Peut-être, je sais pas. Oh, t'es nul. On voit pas grand chose hein, quand il fait nuit. J'étais en plein saut, j'ai fait un demi-tour, j'ai foutu un coup d'épée dans le zombie. Merde. Oui, moi je fais ça comme aussi ça. À pompe sur ma partie solo. Merde. C'est sur ma partie solo, sur laquelle j'avance beaucoup plus vite qu'ici, je suis passé en hard mode. Et franchement, quand on va y être l'un ou deux... On va faire un carnage. Ça va être magnifique, mais le carnage c'est plutôt les mobs qui vont le faire. Non, on va faire un carnage. Non, non. On va faire un carnage. Ah chut, tu te tais, j'ai raison. Ou pas. Ah, fait jouant. Ouais, je suis le Fallen Star. Vous voyez, il y avait encore des étoiles et il fait jouant. Merde. Ah. Ah, il me course. Il me course. C'est le gars qui s'enfuit. Je toucherai maintenant de merde. Je peux pas faire ça. Voilà pourquoi j'aime bien le coup d'une bottle. Toi t'as fail et moi j'ai fail aussi, c'était magnifique. Ouais. Un tas de pots en dessous. Esquive. Aïe. Oh, j'ai horreur des passages comme ça. Bah, quand on n'a pas de truc pour s'aider à sauter, c'est vrai que c'est atroce. Il faut qu'on aille chercher le gobelin. Tiens, il y a quoi par ici? Ouais, c'est coincé. On va pas s'embêter. Ah, des bandes de cons en train de sauter de tous les côtés. Aïe. Comme ça, on saura si le donjon il est ici ou à l'opposé. Parce qu'il n'y a qu'un seul donjon par map pour ceux qui ne le savent pas. Ouais.
T'as vu le trou qu'il y a ici, toi? Non, moi je suis passé par dessus. Ah, là. Il y a quoi dedans? Une grotte, apparemment. Ah, mais la grotte, t'as vu comment elle est? Ouais, j'avoue, c'est une fissure, la machine. Ah ouais, elle est pas pro... pas qu'un peu profonde, le bordel. T'as vu? T'as y a un goldfish, toi, qui aime bien ça. Poisson. Tu vois, tu disais que c'était rare, mais pas tant que ça, en fait. Il y a quoi là-dedans? Même un peu. Ah, mais regarde, ça descend encore en ligne droite, hein. Tiens, va voir dans l'eau après là-haut. Aïe. À gauche. Je vais jiper. T'as vu? Ah ouais, c'est vachement profond. Bon, moi je remonte. Ah, elle est bizarre hein, la grotte. C'est beau en tout cas, ça fait classe. Non mais j'ai déjà vu des fissures comme ça dernièrement. Ça doit être un changement au niveau du la création de la map. C'est possible. Moi tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Et on m'a dit que je pouvais jouer à Minecraft, mais Minecraft ça bouffe énormément. Les graphismes au final on me dit qu'ils sont super, mais c'est sympa, mais c'est pas super non plus, faut pas abuser. Bah les graphismes, tu mets un pack de textures, hein. Moi j'ai un pack de textures en 120. Oui, non mais je veux dire de base, tiens, la corruption encore. Je veux dire, par graphisme, j'entends pas la texture, j'entends de base, c'est des cubes quoi, point. C'est pas parce que c'est des cubes que c'est léger, hein. Oh putain. Ah, oh, bordel. On va y arriver. Voilà. Tout ça pour se faire bang bang. Voilà. Cours, je te protège. Ok, bye. Cours pour ta vie. Oh. Il a failli se tuer. J'ai échappé belle. Ouais, un mot de même. C'est du sport ce jeu. Ouais. Tiens, il y a un trou ici. Mais quoi? Vas-y, cours dedans. Fais-nous une remontée au pire. Y'a un mur, ça m'énerve. Fais péter le mur. T'es sérieux là? T'as de l'espoir avec tes trucs. Mais regarde, ça fait une moitié de travail en moins. Ouais, ça me fait laguer aussi. Et voilà. J'ai jamais vu un truc en sable de pareil. Hop, ah mais t'as vu la classe que j'ai eu à passer ça quoi. Boing boing boing, ouais tranquille. Juste le dernier saut qui était un peu trop loin. Là le donjon. Ah le donjon il est là. Par contre c'est hors de question qu'on se tape le bas. Regarde moi ça tous les pots. On a le droit de rentrer dedans? Ouais. Faut juste pas aller plus bas. Évite, évite. J'ai pas un mûri, hein. C'est quoi ça? Le truc? Bah, tu cliques. Hein? Il a cassé le bouton! Switch? Je ramasse. Bon, bah, du coup, ce sera de l'autre côté qui aura un coffre dans l'eau. Pourquoi? Bah là, c'est à l'océan qu'il y a toujours un coffre au fond. Ouais, il y a l'océan, mais il y a l'océan de deux... Il y a deux côtés, hein, l'océan. Ah, mais dans l'autre, il y a un coffre aussi. Bah, je sais pas, on va bien voir. Il peut y en avoir dans les deux, comme il peut pas y avoir... Il peut ne pas y en avoir du tout. Ah, n'empêche, à chaque vidéo, je fais un truc épique maintenant. Ouais. La dernière fois c'était la balle, là c'était le saut du sable. La balle, moi j'ai passé un rocher. Ah, mais... La balle, c'était une balle pour moi vu comment je l'ai esquivé. Puis vu comment elle rebondit la truc. C'est une balle. Ah non. Je me vide de ce que j'ai pas besoin. Je te oh couvre. J'ai trouvé une golden key. Ça gère. On va pouvoir ouvrir les... Ouais. Allez, on est parti. On fonce.
Je me prête à me téléporter. J'espère aussi qu'on va pas croiser de requin. Requin, ça peut être mortel. Allez. Et il y en a pas. Ouh. Voilà. Bon, bah on a chopé de la météorite. C'est déjà ça. Tiens, envoie ta météorite. C'est voilà, fait. C'est parfait. Je vais pensées. Ranger tout le reste. Eh hey, bah! Devine combien on a de bains? Dis toujours. 90. Sérieux? Bon, j'ai assez pour toute mon armure. Fais-toi ton stuff, hein. Et puis le reste, je le fais en Métaur Bullet. Là. Ah, mais je peux faire mon gun, je crois aussi. Ah non, j'aurais pas assez pour le gun. Tu veux faire ton gun? Bah oui, le Space Gun. Je croyais que t'allais t'orienter mêlée. Hein. Non, mais pour le moment, tu sais que j'ai pas tellement le choix. Y a pas tellement d'épée pour le moment. Faut que j'attende la Blade of Grass et Muramasa. Et donc, contre le Hater of World, ce sera mieux d'avoir le Space Gun, quoi. Bof, contre le Hater of World, il faut des armes de mêlée pour toucher plusieurs parties à la fois. Ah, c'est pas faux. Si on y va au gun, on va faire que le couper en morceaux et on va juste réduire nos chances de survie. Attends, l'épée. Ah oui, c'est pas faux. Bah, il me faudrait la Blade of. Attends, c'est laquelle qui fait le plus de dégâts, la Blade of Grace ou. Celle qui fait le plus de dégâts, c'est la Night's Edge. Non, mais la Night's Edge, elle fait plus. Bah oui, mais c'est normal. Bien sûr. Non, mais je veux dire. Il faut me rendre ça pour la Night's Edge. Ouais. Non, bah voilà. De toute façon, faudra que tu les craftes toutes hein, pour la faire. Ouais, je sais, mais Muramasa, je l'ai pas encore. Non, mais on verra après. Si j'avais Muramasa, bah voilà, je me taperais pas avec la Lightsbane. Mais entre la Lightsbane et la Blade of Grass, c'est quoi la mieux? La Blade of Grass, largement. Je crois bien. Ah oh, bah faudrait que j'aille me la faire rapidement, là. J'ai encore du stuff à ranger. Donc je vais ranger du stuff. Voir aussi un peu où on en est. Je vérifie un truc. Pourquoi tu m'as envoyé ça? Je t'ai rien envoyé. Ah, je croyais que tu m'avais envoyé un truc. J'ai rien dit. Avec ça, j'ai 13 et avec ça, j'ai. Bah, si tu mets pas les jambes, tu veux pas aller loin. Hein. Non, j'ai tout mis, mais je vérifie un truc. T'avais pas mis les jambes. Si, je les avais mis. Ah, là, c'était vert. T'es sûr? Oui. Ouais, non, j'ai que 13 de défense en fait avec la météore. Ouais, bah, vu que je me fais pas le gun, tiens, je te la file la météore. De quoi la météore? Je te la file, ce sera mieux que la gueule, non? Bah, je crois, je sais pas, là j'ai 17 en défense donc je vais regarder. Et puis en même temps, tu ressembleras à Samus. Puis en même temps, si tu te fais le Space Gun, tu pourras mitrailler comme un salaud. Samus? Ça c'est Captain Falcon, mais. Captain Falcon, pardon. Et. Ouais, ça me réduit ma défense donc. Hein. Non? Non, mais le Meteor Armor a pas de défense de toute façon. Oh merde, ça fait chier là d'un coup. Ah, tu m'as filé le switch? C'est un truc. Non, c'est toi qui l'as chopé parce que t'étais dessus, c'est tout. Mais c'est un truc qui améliore les dégâts magiques. Tu crois qu'un magicien a besoin de se défendre, toi? Bah ouais. Bah non. Bah si. C'est, ouais, c'est les gars qui font de la. Bah mêlée, regarde la. Bon, tu me le files, foutu switch? Oh, tu fais chier, c'est le mien! Tiens. De toute façon, tu vas pas en avoir besoin. Hein. T'as pas besoin de fleurs, toi, les Daybloom et tout ça, j'en ai. Bah si, enfin j'ai des Waterleaf. Tu les ranges. Je me suis dit je vais en choper un maximum. Dans un coffre en haut. Un coffre en haut. Ici. Quick stack. Ça va là. Tu les prends pas sur toi les shurikens et autres? Non, ça sert à rien. Je trouve jamais. Hein. Punaise, je m'y retrouve pas. Ah, là. Switch. Bon, elles sont où les popos de vie? J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Moi, je sais pas, je cherche les. Les armes de lancer. Voilà, ici, genre, là, je vais mettre ça. Les bouquins aussi. Les bols, ça. Ah, c'est ici. Tu peux me rendre les bols que je viens de jeter? Tiens. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas énormément de place.
Je pose les bombes parce que ça sert un peu à rien que les aies sur moi. Dans un épisode à venir, je vais nous faire une base digne de ce nom. Bah ça, on s'y mettra à deux, au pire et hors caméra. On fera ça hors caméra, je pense aussi, oui. Je ferai ça sur le modèle de la base que j'ai faite sur ma partie solo. Qui est protégé contre les armées de gobelins ou des bonhommes de neige en hard mode. Ouais, comme tu veux, qui mais... Qui risque pas d'atterrir dans un endroit complètement corrupt ou... Enfin dangereux, quoi, parce qu'elle sera plus au milieu de la map. Je vais aller construire ça sur l'océan. Moi, après, je verrai pour faire de l'esthétisme. Ouais, si tu veux. Je te montrerai un screenshot, toi, de ma base, justement, et tu me diras ce que t'auras envie d'en faire. Parce que je suis pas un pro en esthétisme, mais ça sera peut-être pas mal si j'y mets une petite touche. Oui, c'est sûr que ce sera mieux si tu mets une petite touche, parce que moi, je suis plus côté pratique que côté esthétique. Oh, plutôt tu m'énerves. Oh là, dégage. Bon. Comme le coup du coffre. Tu te souviens, le coup du château? Ouais, le chat, bah oui, le château. Je suis parti de rien quand même. Ouais, on était. J'ai posé des blocs n'importe comment, puis je t'ai fait une tour au début. Je crois que c'était ça que j'avais fait en premier, la tour. Bah, t'avais fait. Ouais, si, t'avais fait les tours et puis la base du château avec des blocs de terre. T'avais fait un dessin avec des blocs de terre et puis t'as fini par. Une magnificence. Ouais, c'était joli. Donc, on pourrait très bien refaire ça là, on pourrait. On va refaire un truc du genre, ou alors peut-être m'améliorer un peu, parce que c'est vrai que c'était beau pour l'époque, mais maintenant c'est de la merde. Quoique encore. On peut largement l'améliorer, mais bon, après il faut le matos. Puis bon. La motivation surtout. Ouais, aussi, mais soit la motivation là. Hein. Ça se trouve. Ouais. Bon. Dans un coffre. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Bah aucun problème, hein, de toute façon. C'était pas un épisode de 40 comme la dernière fois on avait raccourci? Ouais, mais on a pas grand chose à faire là, comme on a. Bah chercher le gobelin. Le gobelin. Ouais, mais ça va être aléatoire ça. Bon, on s'en fout, on va chercher un peu en attendant. Bon, d'accord, on peut aller chercher. Allez hop, un petit bonus de quelques minutes. On peut aller chercher un petit peu en attendant le gobelin. Si on le trouve pas, on continuera un peu la partie prochaine en se baladant un peu dans les souterrains, une connerie du genre. Ouais. C'est à ce moment-là que si on le trouve direct. Oh bah il y a de grandes chances parce qu'il apparaît près des joueurs à partir de à ouais partir et sous terre d'une certaine profondeur, n'est-ce pas? Oui, bah je l'ai trouvé dans le donjon, moi, le mien. le donjon est sous terre. Oui, mais dans le donjon en particulier, comme par hasard. Donc bon, ouais, bah comme par hasard tu te baladais au donjon après une goblin army, quoi. Ouais, et alors je suis drôle, ça fait un peu beaucoup de hasard, je trouve. Soit le hasard. Je pensais pas trouver le gobelin dans le donjon, justement. Enfin, bref. Ça pour dire de garder les yeux bien ouverts, parce qu'il peut apparaître de n'importe où, on peut passer devant et complètement le rater. Ce serait con. Je sais foutrement pas, par contre, où est-ce qu'il faut aller. Hein. N'importe, soit on peut aller par la gauche, là-bas, soit par en bas. Au pire, on se sépare. Ouais, au pire, on fait ça. Bah, tu vas en bas et puis je vais à gauche. Enfin, quoique, bof, parce que être séparé, c'est pas si drôle. C'est comme tu sens, parce qu'à gauche c'est là-bas que j'avais trouvé mes coffres, je sais, je t'en avais parlé. Ah oui, c'est vrai, ouais, donc bah, et là-bas il y a une belle zone inexplorée. Merde. Ça, à gauche. Par là-bas. Ok, bah. Bah, je crois que c'était par là-bas. Hop, ça c'est fait. Normalement c'était par ici. J'ai miné sur tout ça pour aller trouver les coffres. Je me souviens pas avoir été là, moi. Non, t'es jamais venu ici, c'était pendant que je minais hors caméra, tu sais, pour la série. Ah, oui, ouais. Faire ton armure en or. Ouais, 10 minutes. Enfin, j'ai fait ça en 20 petites minutes à peu près. Et en 20 minutes, voilà ce qu'il avait trouvé, n'empêche. J'ai trouvé de l'or, des chemins dans tous les sens. Et là, t'as vu, je suis passé. Ah, c'est foutant. Ah, oui, c'est foutant. là-bas il y avait ça, mais j'y suis pas allé parce que ça ramenait à une de nos anciennes cavernes, en fait. Là du coup je me suis dit bon bah je vais aller sur la gauche. Hop. Et là par exemple tu vois il y a du chemin en bas. Wow, ouais, il y a encore des champignons. Et en comme bas. Moi je vois rien en fait de ce qu'il y a en bas, je pouvais pas sauter. C'est du champignon. Y'a que ça. Bah y'a du champignon. Attends, je regarde. On a du champignon, du silver, du fer, je crois. C'est pas vraiment... Y'a pas un chemin? Je sais pas. Là-bas j'avais de l'or au-dessus. Mmh.
sauvegarde, hein, vous avez besoin de reposer. Ouais, check tous les coins. Comme ça, les abonnés voient en même temps tout ce que j'avais miné pour les 20 minutes pour ton stuff, quoi. On peut passer par ici. C'est fait. Ah, j'ai cru voir un... Aïe. Ouf. J'ai failli crever. Et c'est là-bas que j'ai trouvé les coffres, en haut à gauche. Oh, mais purée. T'es en galère. Et tu se téléporte, attends, comment tu veux que je chope en galère? C'est parti pour 10 secondes de pure obscurité. C'est là-bas, j'ai posé un petit paquet de torches quand même, merde. Enfin, j'ai fait de mon mieux quoi. Je déteste ce foutu grappin. Ah, il est chiant. Ah, quand on merde. A pas un truc pour sauter mieux que ça, quand on n'a pas le double saut, le grappin est plus pire que casse-couille. Merde. Ah, je l'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Bah le gobelin. Ah pas mal, bah juste à côté de mes trucs tu vois. Je t'avais dit que ce chemin là il portait donc chance. Donc voilà, avec ce gars là on peut reforger ses armes pour un prix exorbitant, hein. Genre une épée en or, hein, qui est au fond pas une or, pas vraiment vraiment hein. C'est pas un truc yo. De fou une épée en or, hein. Quand même 90 silver. Attends, je vais faire un mon petit truc. Mon mousquet, bon, il a un super préfixe. Donc là lui il coûte cher, 16 gold hein, sachant que j'en ai un. Et il a aussi un petit shopping, ça je vais l'acheter dès que je peux. Ça la même. Puis après le reste, ça sert à faire une grille sur tout le bordel, je l'utiliserai jamais parce que ça pique les yeux. On peut lui acheter des grappins si on en a pas déjà eu. Perso je m'en fiche. Et ça, pour le prix que ça coûte, c'est un peu inutile, la tool belt. Parce que c'est la, quoi la tool belt. Et c'est quoi que toi tu veux? Moi je veux le Tinker's Workshop, c'est le truc bon, qui se fait, le prend, pire. C'est le truc qui fait faire les combinaisons d'accessoires. Bon, on se le prend. Donc après toi tu t'achètes les Rocket Boots et t'as déjà les Spectre Boots. Je les ai déjà les Rocket Boots. T'as déjà des roquettes? Oui, je les ai achetés. Oh, bon bah. Donc y'aura plus qu'à acheter le Tinker's... Bah t'as combien sur toi? Que je paye pas tout d'un coup. Bah attends, je vais chercher des trucs. Un peu d'argent, voilà. T'as combien? On se met 5-5 au pire. Bah ouais, si tu veux. Voilà, je t'ai filé 5, t'as plus qu'à acheter le truc. Ok. Voilà, ah, je l'ai. Pièce d'or, viens là. Voilà. Parce que moi, je me suis payé mes Rocket Boots, il me restait 13, mais bon. Ça fait cher 10 d'un coup. Donc voilà, maintenant que t'as le. Donc tu l'as acheté le Tinker sur Workshop? Ouais, il est dans mon inventaire. Ok. Non, parce que sinon, il y a le Tool Belt, comme je disais, qui améliore la portée de placement des blocs de 1. Ouais, ça j'avais vu. Il coûte 10 gold, mais ouais, voilà, de 1, franchement. Ça aurait été 3 ou 4. Pourquoi pas, mais là non. Ouais. Putain, donc, on remonte à la surface? Bah ouais, putain. On l'a trouvé, c'est tout ce qu'on voulait. Et voilà. J'ai récupéré ta piggy bank. Ah, tu l'as récupéré? Voleur! Voilà. Merci. Je la pose où, la Tinker Machine? Oh, je sais pas, quelque part par là. Vache! Oui, c'est pas petit. Et donc. Et comment on assemble les objets? Bah, c'est dans le truc de. Ah, craft. D'accord. Envoie-les-moi 2 secondes que je montre. Tiens. Donc voilà, les Spectre Boots. Qui sont la fusion des Rocket Boots. Et des Hermès Boots. Démonstration. Donc déjà. Bah, Hermès Boots. Donc je cours. Et Spectre Boots. L'effet des Rocket Boots qui me permet de voler. Et de me casser les genoux. Ça gère. Se casser les genoux, j'entends. Ouais. Donc voilà, j'ai gagné des Spectre Boots en les volant chez Killer. La prochaine fois, si je trouve des Hermès Boots, je te les file. Ouais. Hop, tiens. Merci. Je suis pas un voleur non plus. I believe I can fly. Donc voilà, toi au niveau du grappin, tu seras plus pépère maintenant avec. Ah oui, là je serai tranquille, limite je m'en sers pas. Bah. Je vais arriver au sol, je fais ça et puis voilà, je me pète pas les genoux. Oui, c'est sûr. Normalement, attends, je vérifie. Ouh. Voilà. Donc bon, bah voilà, on a été choper le gobelin, il viendra bientôt dans ma. Tu vois qu'on a été assez vite, j'ai bien fait d'aller dire qu'on aille le chercher. Ouais. Comme ça, ça fait ce truc là en moins à faire au moins. Et puis on peut directement enchaîner sur d'autres trucs. C'est pareil, cet endroit là faudrait que je le modifie parce que quand les portes restent ouvertes, les PNJ ne viennent pas.
Bah pire Je suis obligé de les refermer, sauf que après ces connards là les rouvrent. En fait c'est un très mauvais modèle de bâtiment ce que j'ai fait. Ouais bah c'est pas grave. Attends, je vais assigner le gobelin ici. Comme tu veux. Tu peux pas, tu vois, à cause des portes ouvertes. Si je peux, ah non. Voilà. Là, ouais maintenant c'est bon, il est assigné à la maison du haut. Donc voilà, on a déjà 7 PNJ sur 10, sachant qu'il n'y en a qu'un seul qu'on peut avoir après avoir battu le boss du... Il manque qui là exactement? La mécaniste? La mécanicienne, le sorcier, donc je disais qu'on aura qu'après, et... Et le truc de vêtements. Et ouais, voilà, le closé qui... On donc il nous refaudra une maison parce que l'autre guise il a piqué... Aux œufs du guide, il mourra. On le tuera. Au pire, on lui refera notre vieille baraque. De toute façon, je t'ai dit, on ira faire la baraque sur l'océan. Bien la réaction aussi. C'est la classe ce truc quand même. J'avoue. Donc bon bah ouais, on va s'arrêter là maintenant qu'on a chopé le gobelin. Ouais, on a chopé le gobelin. Dans le prochain épisode, on le fait ou on le fait pas? Quoi donc? Le hitter. Eh bah moi je dirais qu'on peut se le faire. On peut, mais on va se le faire je pense. On va prendre Par contre, va falloir courir parce qu'il apparaît directement. Bah on y va au grappin, hein. On remonte, swash, et puis voilà. Swash. Ouais aussi, enfin on y va à la Spider-Man. Ah t'as vu, je pars quand même haut, hein. Et, hein. Au pire toi tu restes en haut, moi je vais péter le truc et puis je remonte immédiatement quoi. Ah c'est vrai que t'es plus rapide que moi au grappin. Au grappin ouais j'y arrive plus. Parce que moi la touche rapide, oh l'eau. Je suis pas du tout habitué. Enfin bref, ce qui conclut cette partie-là, c'est la trouvaille de cet enfoiré de gobelin. Et arrête de faire ton grappin à toi. Donc, je vous dis ciao à tous, en espérant que ça vous ait plu. N'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé. De vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos, etc. Et de commenter si vous avez quoi que ce soit à dire, ou même comme ça, tout simplement. Donc je vous dis ciao à tous et portez-vous bien. Ouais, au revoir tout le monde.